بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons et nous terminons le chapitre l'eau. تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. Il est haram pour avoir malédiction ou un insan en particulier, ou soit les animaux en particulier. Et donc ici, dans des hadiths que nous pouvons aujourd'hui, nous pouvons comment les sérieux, les graves, ou avoir une malédiction, même les animaux. Alors, hadith 1559, « Wa an Imran ibn al-Hussein, radiyallahu anhuma, قال, rapporté par Sayyidina Imran ibn al-Hussein, radiyallahu anhuma, il dit, « Bainama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » في بعض أسفاره، pendant que رسول الله صلى الله عليه وسلم في دان سبان فياج، وامرأة من الأنصار على ناقة، أن مدام قومي من أنصار تي لو أن شمل، فضرجت فلعنتها، ألو مدام لا لفين كموس مالترت سا شمل لا غبريمان لي، إيه لفين أبوي لعنت لولي. لفين موجي شاشاملا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فين تنسى فقال لفين جي خذوا ما عليها ودعوها prends tout ce qui est là là et laisse-le là où il est ça veut dire شاملا اللي شي بيساوي جيمون اللي شي بيساوي بان باغاز بان مانجي بوا tout cela alors prends tout ce qui est là prends tout ce qui est là là fais شاملا vin vide لب لغلي فإنها ملعونة بس كي لي ملعونة بس كي لي موجي donc comme dire ça chamel là ça étant donné que ça s'habille à la fin donne lui malédiction donc le fin vin ملعونة alors رسول الله صلى الله عليه وسلم donc passé vili et là قال عمران le narrateur سيدنا عمران ابن الحسين رضي الله عنه لي dire فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. إلى لا كما جاء مبتروفلي سمادام لا مبتروفلي بيمارسي بامي مانجيمون. donc les بيمارسي أستي. papi كاسة بيسو شامل les بيمارسي. et personne papi offert pour aider lui. personne papi prend les comptes. personne papi dit ben laisse-moi faire ça laisse-moi sortir ça. personne papi prend les comptes. donc ça nous trouvait quand les fins avaient la net l'eau un animal رسول صلى الله عليه وسلم pas fin content. Donc les fins libèrent les animaux là et madame là comment ça s'arrive là et rapporté personne pas fin propose pour aider lui dans une façon avec son bagage tout ça. Alors un hadith pareil comme ça donc nos derniers hadith de ce chapitre là 1560 wa an abi barza nadla ibn ubayd al-aslami radiyallahu anhu rapporté par un sahabi qui appelle abu barza radiyallahu anhu il dit بينما jariyatun ala naqa تنا أن زن مدام لتلوان شامل عليها بعض متاع القوم الأولى لسا شامل لا en même temps تنا أن بارتي دو بان مارسانديز أن بارتي دو بان كيك شوز كي سا بان جمون لا تي بيسا ويسا ويجا تي دو أن أن بتت أن كارافان دان لكل تنا رسول الله صلى الله عليه وسلم aussi إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ألو سا زن مدام لا لفين تروف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل اي فين arrive un moment où la montagne là fin vient serrer donc nous imaginer peut-être je peux passer loin une place difficile une place compliquée côté montagne là vient serrer à cela qui fait les fin mentionne qu'il fin trouve رسول الله صلى الله عليه وسلم peut-être les pieds envie à vite pour les autres passer donc un amant détail qui échappe nous là et donc ce qui est arrivé c'est qu'il nous trouvait que madame là finalement les fin rentre dans une situation peut-être stress. Hein, dit ce chameau, faqalat hal. Alors, il y a les autres riwayat mentionné qu'il fin dit ça chameau-là bouger, chameau-là pas bouger. Comment dire, chameau-là pas faire, c'est que madame-là, si bien qu'il y faire. Donc, madame-là pas content. Alors, il dit hal. Hal, ici, veut dire, comment imam expliquait, wahia kalimatun li zajjiril ibil. C'est une phrase, un mot qui, bandimoun, tu peux servir pour. Crie avec ban chamel, avec ban chameau, pour réprimander. Hal. Alors, il y a beaucoup ban
mot comme ça qui servit dans du monde et un mot spécial qui servit pour ban les chiens. Et surtout dans du monde qui peut soigner les animaux, donc il y a un mot spécial qui se servit avec cheval, tout ça là. Donc ça c'est un là-dedans. Madame la Jali Hal, après elle dit Allahumma il'anha, Allahumma il'anha, oh Allah, avoue une malédiction l'olé. Oh Allah, maudit ça. Donc peut-être dans colère, il finit ça. Donc il finit maudit ça, chamel. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للبروفيت صلى الله عليه وسلم في جيه لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة فدي با كي ان شامل كي انا مالديكسيون لولي لي ريسبور مينو لا فدي با ان شامل كي انا مالديكسيون لولي ريسبور مينو لا دونك كوما نو فين تروفي دان سا بروميير حديث لا دونك فين فيه تي تو سو بانز افير لولي اي فين فيه شامل لا علي لي با ريس انسام dans parmi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors là, il y a un paragraphe que l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi explique. Il dit « Wa'alam koneki anna hadha al-hadith qad yustashkalu ma'anahu » Possiblement qui son meaning, par Jimon Pouliassa, « yustashkal » ça veut dire « je suis capable de tomber dans une confusion, une ambiguïté » ou ça « je suis capable de croire en quelque chose qui n'est pas comme ça » ظاهر الرواية ça veut dire quand nous get li at face value là, quand nous get li première impression qui nous gagne c'est qui quand j'animaux là il gagne malédiction qui arrive fini fin maudit là donc pas capable de servir li reset li net alors c'est pas ça qui comment l'imam al-Nawawi dit voilà ishkala fihi mais pena difficulté là non alors il peut expliquer nous bal il mourad mais son meaning qui était c'est qui النهي أن تصاحبهم تلك الناقة وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Prohibition là, c'est que quand Rasoul صلى الله عليه وسلم dit il n'est pas capable de rester parmi nous parce qu'il y en a là, en a là. C'est quand dans un groupe, dans un qaum, quand là-dedans est né Rasoulullah صلى الله عليه وسلم. Donc il n'est pas capable de rester dans صحبت Rasoulullah صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça qu'il fait rien. Mais seulement, il n'y a aucune prohibition pour servir, pour vendre, ou soit pour faire ce zaba, pour manger la chair, ou soit pour servir comme monture, ou soit pour faire vendre les autres petites choses avec lui, il n'y a aucun problème là-dedans. « Bal kullu dhalika wa ma siwahu min at-tasarrufati ja'izun la man'a minhu » Mais tout ça, vendre quelque chose là, avec les autres encore, il n'y a pas de problème, il n'y a ijaza, il n'y a aucun empêchement là-dedans. إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها excepté dans sohbat de Rasulullah صلى الله عليه وسلم là qui passe à vie. Donc pour nous là dans nos cas il n'est pas appliqué parce que Rasul صلى الله عليه وسلم donc il n'est pas parmi nous donc si jamais les animaux finissent une malédiction nous pas pour considérer comme ça nous capables de servir dans les autres façons parce que Rasulullah صلى الله عليه وسلم donc il n'est pas là qui fait parce qu'il tient une pratique avant alors لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة parce que tout ça quelque chose là lui permet فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان alors une partie fin empêché une partie fin tout ce qui est non encore fin resté alors c'est une pratique comme on se fait dire dans l'époque jahiliya ban qui tu peux prier ban idole tout ça là je te ban fausse bon Dieu alors quand on arrive dans des animaux comme ça qui je te fais je te l'ordre dans le désert là les animaux là allez y a il y a le get sur la vie, personne ne va prendre les comptes, personne ne va pour vendre les, pas pour acheter les, pas pour servir les comme monture, pas pour faire zaba non. Et là, je dis ça, les pour bon Dieu, ça, une fausse bon Dieu qui se prie. Et appelle ça Assaïba. Les animaux-là appellent-les les animaux qui Assaïba. Sa action-là appelle ça Tashib. Ou soit Shaïba, Tashib, ou soit Saïba, Tashib. Alors, ça, c'est une quelque chose qui tient dans le jahiliya. Mais dans l'islam, pena sa'iba, pena tashib, tout ça là, zis à cause, ça, quelque chose qui n'est là en atta, il n'est pas capable de rester dans sohbat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, généralement, les sons qui nous tirent là-dedans, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas fin apprécié, quand il donne la anatta, les animaux. Alors, donc, ni djimoun, ni animaux, un musulman, il n'est pas donné la anatta, il n'est pas avoué malédiction. Donc demain, inshallah, nous pourrons être un coup qui va une situation que l'IPM permet pour donner la note, pour avoir la note, pour avoir la malédiction
Comment nous trouver dans nos chapitres ici, c'est taïn, ça veut dire spécifiquement un dimon, un animal, mais généralement, Allah lui permet de nous bouger dans différents cas de figure. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, conserve nous la langue et qui nous pas une bandimoun qui donne malédiction, qui fait la nat, mais au contraire, nous une bandimoun qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat, qui Allah fait nous éloigner depuis la nat, qui les tient nous depuis la nat, depuis tout bon quelque chose qui maudit malédiction et qui lui fait nous rentrer dans son rahmat, dans dunya et dans akhira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.